Yo à tous, ici Lou et bienvenue dans l'autre façon de jouer. Et on se retrouve pour un nouveau détenté des vôtres sur Dr. Robotnik's Minpin Machine. Où cette fois on va se faire le mode easy après une petite présentation du jeu. Et maintenant que j'ai une manette, on va pouvoir vraiment s'attaquer aux choses sérieuses. Donc hop, on va passer tout de suite en mode easy. Voilà, on va aller jusqu'au bout. Si on perd, on continue, puisque vous allez voir qu'on peut continuer même si on perd. Donc hop, on fait le mode scénario. Je vais passer tous les dialogues, on s'en fout, on est juste là pour jouer. Donc, je vais essayer de parler au maximum, mais ça peut être assez compliqué de parler en même temps qu'on joue à ce jeu. Je vais quand même essayer de faire de mon mieux, hein. Mais je ne promets rien, je ne promets absolument rien. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça m'a l'air pas mal comme ça. Ouais, il y a de quoi faire quelque chose de pas mal. Alors, maintenant il me suffit d'un verre. Et ça sera absolument violent. J'ai toujours besoin d'un verre. Ah, voilà. Oh, attendez, je vais faire le fougueux, et voilà. Là, ça va être extrêmement violent. Ah ouais, là, c'est extrêmement violent pour lui. Ah là 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 là, il a perdu en 2 temps 3 mois. Bon, là, c'est le mode facile, c'est les premiers niveaux. Ça va aller vite. Voilà, le premier password, donc si on a envie de retourner d'aller directement au niveau 2. Bon, c'est pas très long de finir celui-là pour aller jusqu'au niveau 2, mais on sait jamais. Hein, s'il y en a qui ont envie de tester le niveau 2 et qui arrivent pas au niveau 1. Le niveau 2 est quand même déjà plus dur. Donc, comme je disais, hein, quand j'étais petit, j'avais mis pas mal de temps avant de le passer celui-là. On va essayer de faire mieux. C'est pas terrible pour l'instant, hein. Ouais, je vais le mettre comme ça. Si je le mets comme ça, ça doit le faire. Je réfléchis en même temps, hein. je réfléchis. J'aurais pas dû le mettre là. Tant pis, je fais un petit peu n'importe quoi là, mais c'est pas grave. J'essaye de faire quelque chose de pas mal. Comme ça, ça on le fait comme ça. Ouais. Et là, ça devrait être un petit peu mieux. Voilà. Nous voilà sortis d'affaire. C'est lui qui est bien embêté maintenant. Je continue à jouer, mais ça devrait pas durer encore très très longtemps. Par contre, vous allez voir. J'avais rejoué en mode normal, hein, pour me refaire un petit peu la main. J'étais allé jusqu'au niveau 12 sur 13, non 11. J'avais arrêté à ce moment-là, mais voilà. Si vous avez envie de me voir faire les autres niveaux de difficulté, pas passer par le moyen mais faire les hard et les hardest, dites-le en commentaire, hein, n'hésitez pas. C'était bien dans mon sens. Ok. Ok, ok. Je fais pas forcément le mieux niveau combo ici. Ah là, ça commence à être pas mal. Ouais, là c'est pas gênant.
Bon allez, on va commencer à faire des petits combos. Enfin petit. Pour un petit combo, je pense qu'on peut dire que c'est pas mal. J'arrive à bien ressortir assez facilement des combos assez violents. Enfin assez violents pour l'adversaire. Dans le coup, je pense pas qu'il va s'en sortir. On enfonce le couteau. Ouais, là, c'est foutu. Là. Ouais, c'est bon. Bon. J'espère que je vais arriver jusqu'au bout. De toute façon, on prendra un peu plus de temps. On y arrivera. Mode facile, j'ai pas trop de crainte sur le fait qu'on n'y arrive pas. Je pense que ça devrait aller tout seul. Alors, ok. C'est pas mal. C'est pas mal. Bah écoutez, pour l'instant ça va. Ça je le mets là. Ça je le mets là. Ici. Ça non, ça nous intéresse pas. Ça, ça nous intéresse pas. Ça c'est bien. Et voilà, on peut lancer le combo. Et on va être tranquille pour un bon moment. Mince, j'ai décalé au dernier rang, ça fait exprès. Tiens, je l'ai même pas fait exprès. J'aime bien ce petit jeu, c'est tranquille, c'est pas compliqué, c'est comme un Tetris en un petit peu différent, et qui n'aime pas Tetris. Trop bien Tetris. Ah, là vous entendez la musique en accéléré. Ça veut dire que le jeu va plus vite. Ça c'est pas mal. Ok, là c'est pas mal. Ouais, là c'est vraiment, vraiment pas mal. Je vais juste essayer de faire un truc, on va voir si c'est possible. Non, c'est ça que je veux. Ah, j'avais pas vu ça. J'avais pas vu qu'il m'avait sorti un truc comme ça. Alors, hop. Voilà, bon. On va devoir se sortir de là. Ça va être compliqué. Ah là 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 là. Ok, bon. Pas de panique. C'est pas encore perdu. Bientôt, mais pas encore. Un verre et c'est bon. Hein. On a eu chaud sur ce coup-là. Là, c'est. Ah! Un petit peu d'air. Ah mais non, mais en plus lui continue. Ok, alors ça on va continuer comme ça. Voilà. Bon. Bon 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 bon. Là. Ah, ça va être un peu mieux là. On a fini par s'en sortir. Mais vous avez vu, c'était chaud. Hein. On a voulu trop en faire au début. Enfin, j'ai voulu trop en faire au début. Et on s'est vite retrouvé tout en haut. Bon, quand c'est comme ça, hein, si vous jouez à ce jeu-là, vous en faites pas. Au pire, c'est pas grave si vous perdez. De toute façon, vous pouvez reprendre au même endroit. On va le voir si je perds. Mais vous en faites pas, hein. Ça arrive. Ouais, j'ai eu de la chance, je l'ai placé au bon endroit. Bon, pour l'instant, ça va. Bien. Ok. Voilà. Alors, attendez, c'est là. Non,
non, c'est pas ça que je devais faire. Attends, que je réfléchisse. Voilà, ça je vais le mettre là. Pour être tranquille. Ah là là, ça va m'embêter. Voilà. J'ai besoin d'enlever ça. Pour ça, je vais faire comme ça. Comme ça. Comme ça. Voilà. Bon, ça c'est fait. On va être bien tranquille. Ah bah c'est bon, on a même gagné. Vous voyez, c'est pas très compliqué de faire des gros combos. On les met à peu près. Si on arrive à les regrouper par 3 et tout, en général, on arrive des fois à faire des combos sans faire exprès. Donc ça c'est plutôt pas mal, mais vous voyez, voilà, c'est pas si compliqué que ça. Merde. Là je suis obligé de. J'étais obligé de réussir à faire un truc de 4. Donc ça je peux le mettre comme ça. Ça je le mets comme ça. Ça je le mets comme ça. Vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Et ben, vous avez raison, parce que j'en ai pas la moindre idée. Ah ouais, mais non, mais s'il commence à faire de IA, lui aussi, on va pas se... C'est quoi ce gros IA? C'est quoi ce gros... Oui, bah t'es content, oui, j'avais deviné ça. Attends, tu calmes ta joie, déjà. Tu vas voir. Tu vas voir, déjà, hop. Ah, tu t'y attendais pas à celle-là, hein. Tu t'y attendais pas à celle-là. Alors, par contre... Ah, et à celle-là, hein. Hein, tu t'y attendais? Ben voilà. Eh ben voilà. Allez. T'étais content? Tu croyais que tu m'as vu? Ben non. Ben non. Ouais, comme vous voyez, je m'éclate à ce jeu, à chaque fois. Depuis que je suis tout petit, j'y joue et... Je m'en suis jamais lassé. Bon, faut dire, j'y joue pas tous les jours non plus, hein, donc c'est bon. Ouais, alors pour l'instant, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, ça je peux mettre là. Ça, je peux le mettre là. Ah merde. Ah. Bon, je vais faire comme ça. C'est parfait. Ouh, je crois n'avoir jamais fait un combo aussi énorme. C'est incroyable. Le truc en haut à droite, c'était presque rempli de boules rouges. Les boules rouges, ça représente 5 lignes de pierres grises. C'est énorme. Ça fait 25 lignes. Je sais pas combien il y en a sur tout le plateau. J'ai pas pris le temps de compter. Ah là, vous allez voir. Hop. Là, tout de suite, c'est beaucoup plus rapide. Donc là, faut y aller. Faut y aller comme on peut. C'est pas forcément facile. C'est pas forcément facile, mais on peut quand même faire des combos. Mais c'est plus difficile. Donc là, hop, je. Alors là, c'est pas fait exprès. Ok, alors lui fait des IA, lui il est super bien parti. Moi je suis un petit peu embêté. Pour ne pas dire dans la merde. Bon là ça va aller un petit peu mieux. Voilà. Là ça va un petit peu mieux. Ouais. Tu fais moins le fier, hein. Tu fais moins le fier.
Ouais, si tu me fais des IA, ça va pas le faire. Bon, on est tous les deux en difficulté, d'après sa... son expression. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Il est un petit peu moins en difficulté que moi. Carrément moins maintenant, je pense. Je suis trop concentré. Ah, et maintenant je fais n'importe quoi. Ah, c'est de votre faute aussi, vous me déconcentrez, je vous parle et puis voilà, je joue pas bien. Oh là là, c'est n'importe quoi. Bon. Bon, bon, bon. Ah. Non. Ah là là, ça va me faire perdre ça. Bon bah, je crois qu'on va perdre. Ouais, on va perdre. C'est perdu. Bon, je peux le laisser là. Voilà. On a perdu. C'est pas grave. Je vais mettre un petit loup. Quand même. Ouais, trop loin. Voilà. Rank 1. Bon, c'est pas mal déjà. Donc voilà, c'est le truc continu. On a juste appuyé sur start. Et hop, on revient à ce niveau-là. Ah, par contre, je suis déçu, j'ai perdu. Ah, j'aurais espéré le faire en une seule vie. Mais bon, tant pis. Alors. Wow, qu'est-ce qu'il m'a fait là? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon. On va rattraper tout ça, hein, bien évidemment, mais... Ah, j'aurais peut-être pas dû. Ouais, j'aurais pas dû. C'est pas grave, on va faire autrement. On va rattraper tout ça. Ouais, ça c'est pas trop grave. Voilà, on va faire ça comme ça. Ça va enlever pas mal, ça va lui en mettre pas mal. Et là on va... Là pour l'instant on est bien. Oh bah je fais même un youpi sans le faire exprès là. Et là, ouais, là lui, il est bien embêté. Et je crois qu'on a gagné. Bon vous voyez, c'est... au final il était pas si dur que ça à passer hein. Hop, on va arriver au stage 10. Alors tous ces personnages là, enfin quasiment tous, je les connais pas, hein. Je sais pas d'où ils sortent, je sais pas d'où ils peuvent sortir d'ailleurs, si vous savez, ça m'intéresse, vous pouvez le dire en commentaire, si vous savez d'où viennent ces personnages, je veux savoir, Non, c'est pas ça que je veux. Voilà. Bon, déjà on est un petit peu tranquille là. Oh, je croyais que c'est gagné même. Voilà. Là s'il arrive à faire quelque chose. Ouais. C'était rapide. Eh, n'empêche, si au début on a les haricots qu'il faut, on a un petit peu de temps, parce que des fois il fait un petit IA au début et ça nous casse tout. En un seul combo, on peut gagner. La preuve, je l'ai fait plein de fois là. Donc stage 11, c'est là où je m'étais arrêté quand j'avais fait les petits essais en mode normal. Et, je m'étais arrêté ici. Ça... On se bat, tant pis. Voilà. Oh là là là, je fais. Oh là 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 là, je fais n'importe quoi, je vais trop vite. Je vais trop vite. Là, c'est pas que ça va si vite que ça. Hein. Parce que là, maintenant, je suis un petit peu plus habitué à la vitesse. Donc ça va, mais je sais pas. Je sais pas ce qui fait que j'y arrive pas. Hop. Là, un autre petit youpi qui fait du bien. Là, voilà, il va commencer à chialer. Et j'ai fait n'importe quoi encore une fois. Je sais pas si j'arrive à placer ça. Et bah, décidément. Voilà. Ah bah, j'ai même pas le temps de faire un autre combo, il a déjà perdu. Ouais, bah. Eh,
Ça va être rapide. Alors. Scratch. Et lui, Scratch, c'est le coq, c'est un coq mécanique. Et il apparaît dans le dessin animé Sonic. C'est lui que je vous parlais. D'ailleurs, on a passé Counter, j'ai pas fait de commentaire dessus. Donc, stage 12. Hop. On est pas mal parti. On va faire un petit pour commencer. Voilà. Hop. Je prépare des trucs. Ouais, ça je peux préparer. Waouh. Toi tu fais ça. Voilà. Comme ça, moi je suis tranquille. Ah ah ah, t'es pas content hein. Je vais pas t'en prendre à moi. Par contre, là ça peut vite être embêtant, c'est bon. Il y en a un qui devait épargner, il l'a épargné. Ouh, ça va, franchement le jeu est gentil avec nous là pour l'instant. À chaque fois quand il en met 5, c'est pile là où il faut. Enfin, c'est pile là où ça me gêne pas. Ouh, par contre, là ça va. Là. Oui, bah tu fais ta tête de coq battu, mais c'est moi qui suis bien embêté là. En plus, il continue. Bah oui, bah et. Bah tant qu'à faire. Hein. Ah, la tête insupportable. Ah, j'avais oublié sa tête insupportable. Quand il. Ah, et merde. Alors ça c'est pas cool. Ça, c'est pas cool. Ça peut peut-être le faire, ça peut peut-être le faire, ça peut le faire. Ça peut le faire, on peut s'en sortir. Wow, on a un peu de chance quand même là. On a un peu de réussite. En plus, il me met un bloc pile là où il faut. Voilà, wow. Vous voyez, on peut se sortir de toutes les situations. Là, c'était vraiment, vraiment très mal embarqué. Honnêtement, j'y croyais plus. Honnêtement, je croyais qu'on était parti pour un petit continu. Wow. Je suis n'importe quoi, par contre. Ouais, mais non, c'est pas le moment de faire n'importe quoi, là. Je fais vraiment n'importe quoi. Alors là, on a perdu, mais c'est de ma faute. Là, franchement, on a perdu, mais c'est de ma faute. Alors là, franchement, j'ai vraiment été très nul sur la fin. Je sais pas si c'est basé. J'étais complètement... Mince. Complètement déconcentré. Ah, d'accord. J'étais complètement déconcentré. Je sais pas. Bon, c'est pas grave, ça fait durer un petit peu. J'espère que quand même ça vous donnera envie d'y jouer. Parce que c'est. C'est un jeu culte pour moi. Bon, ok, je sais que c'est que mes goûts et vous m'en foutez peut-être un petit peu, mais. Voilà! Voilà, bon. Alors. On va essayer de faire quelque chose de. Pas mal. Alors, si je fais un truc ici. Non, putain, non. Voilà. Ah non, oula. Ok, alors là je suis dans la merde. J'avais un truc pas mal, un bon combo. Si un jour il sort, par contre, là il va faire très mal. Très très mal, mais je pense pas qu'il va sortir. Parce que là, je suis vraiment dans la merde. Et jusqu'au bout. Non, putain. Alors ça c'est pas cool du tout. C'est vraiment pas sympa.
quoi, putain? Je suis pas déjà assez dans la merde. Il faut que ça m'en rajoute. On va dire que ça rattrape un petit peu, hein. Voilà, ça va rattraper un petit peu. Ah ouais, on a gagné. Je faisais pas gaffe à ce qui se passait de l'autre côté. Ah, je pensais pas que lui, il était si mal en point que ça. Ok. Hop, la petite scène cinématique, si on veut, hein. En fait, on s'en fout. On va combattre le Docteur Robotnik. Allez, le big boss, le dernier stage, la fin. Alors, on va voir. Là, c'est le moment de voir ce qu'on a dans le ventre. Ok, ok, ok. Allez, on commence par une petite combo. Pas trop mal. Oh bah. Oh ça. Oh le boss. Oh le boss vite fait. Oh le boss torché en 37 secondes. Le dernier boss torché en 37 secondes. Franchement. Alors là c'est pitoyable. C'est pitoyable. Ouais, faut vraiment que je vous fasse. Que je vous montre en hardest. Vous allez voir, c'est autre chose. C'est carrément autre chose. Moi, je vais vous laisser les crédits de fin. Donc voilà, bah, c'était une petite partie sur... Bah, tiens, là, il y a les noms des monstres qu'on affronte. Enfin, des méchants. Donc ouais, j'espère que ça vous a plu. Une petite vidéo détente sur un petit jeu détente. Voilà. Si vous avez des propositions pour un prochain détente de boutre, n'hésitez pas, j'essaierai de me procurer le jeu. Si ça m'a l'air pas mal, hein, si c'est un jeu que j'ai absolument pas envie de tester, je vais éviter de me le prendre, ça sert à rien. Sinon je pense que j'ai peut-être, je dis bien peut-être, hein, rien n'est sûr. Tiens, Grunder, c'est lui. Grunder avec ses chenilles, qui apparaît aussi dans le dessin animé. Donc ouais, je pense que je vais me prendre le jeu Peggle, parce que c'est bien drôle aussi, ça correspond bien à détente et des loutres. Je pense que je vais me le prendre. Sinon comme ça, d'autres idées de jeu, j'en ai pas. On verra au fur et à mesure de toute façon. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que... Bah, que vous aurez envie de voir du hardest. Parce que moi j'ai bien envie de jouer en hardest. Moi je peux le faire tout seul, hein, mais... Voilà, c'est pas pareil. Je préfère partager ça avec vous. Franchement c'est plus sympa quand je partage ça avec vous. J'espère que vous ressentez ça aussi. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. On va se laisser sur le générique de fin avec la petite musique et tout. N'hésitez pas à mettre un petit thumb up si vous avez aimé, à commenter pour dire ce que vous en avez pensé, ce que vous voulez pour la suite. N'hésitez pas à partager la vidéo, hein, à faire découvrir la chaîne. Je sais que je le dis assez souvent, mais c'est pour vous le rappeler que y a ça. Ça m'aide surtout à avoir une visibilité sur mon contenu, de savoir si vous trouvez ça bien ou pas. Voilà. Donc je vais vous laisser là. Et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. See you.